Amis sportifs, fans des jaunes, bonsoir et bienvenue à ce nouveau point des performances de nos internationaux en club. Comme d'hab, on démarre par la France et sa Ligue 2. Amiens SC de Ange-Louis Tchibozo a marqué un coup d'arrêt hier samedi en championnat. Les poulains du coach Reinsberger ont été sèchement battus par Nîmes 2-0. C'est l'une des rares défaites d'Amiens cette saison. Avant ce match, le club était co-leader de la Ligue 2. Ange-Louis Tchibozo a débuté ce match sur le banc. Il est entré en jeu à la 63e minute et n'a pu rien faire pour son club. Youssoufa Sogba était remplaçant pour ce match, cela n'arrive pas tous les jours. Très souvent, le latéral béninois n'est même pas dans le groupe. À Niort également, on n'a pas le sourire, l'équipe de Junior Laitan s'est lourdement inclinée face à Grenoble 3-0. Laitan est entré en jeu à la 113e minute. À Pau FC, le climat est un peu plus détendu. Le club a disposé d'Annecy FC 2-0. Cécile Dalméda n'était pas titulaire. Il est entré en jeu à la 110e minute. À Dijon, l'international béninois Sakine Alagbe est toujours abonné au banc, n'en déplaise à ceux qui n'aiment pas l'entendre. Il a donc suivi tout le match du banc de touche. Par contre, Matteo Alenvi a été lancé sur l'aide de jeu à la 119e minute du match. Le Benoît n'est pas tout le temps dans le groupe. Dijon a concédé le nul 0-0 face à Kevin Rouen du franco-benoît Andreas Ntongi. Ce dernier est entré en jeu. En cours du match, Andreas n'est pas encore décidé à rejoindre les jaunes. Vu ce qui se passe actuellement chez ses écureuils, ça n'hésite vraiment pas à se décider. Montons maintenant en Ligue 1 et parlons du score d'Angers de Cédric Ntongi. Eh bien, l'équipe s'enfonce un peu plus dans la crise. Ils ont essuyé un troisième revers de suite ce dimanche en Ligue 1 face à Toulouse, battu 3-2 par le TFC. L'international béninois était titulaire. Il a joué tout le match comme d'hab. Nous n'allons pas parler de Brest puisque Steve Mounier n'est pas encore remis de ses blessures au talon. Mais si vous voulez, je vous donne le score de leur match ce dimanche. Ils ont été étriés par Nantes 4-1. Le seul but brestois est l'œuvre de Noah Fadiga, le fils de l'ex international sénégalais Kalidou Fadiga. Sacrée performance de Clermont Foot à Monaco. Les Auvergnats sont allés tenir en échec l'équipe de la Principauté sur ses propres installations. Un but partout, c'est le score final de cette rencontre que Joseph Dossou a débuté sur le banc. Il a été lancé sur l'aide de jeu à la 113e minute. Finalement en Suisse, le FC Zurich de Loa Tosin Aegun a concédé le nul 0-0 à domicile contre les Young Boys de Berne. Tosin n'a pas débuté le match comme titulaire. Il est entré en jeu à la 59e minute. En Bulgarie, le champion Ludogorets a disposé jeudi du HJK Helsinki 2-0. Verdon, comme d'hab, était titulaire. Il a joué tout le match. Ludogorets joue encore demain lundi contre Béroé en championnat. Finons maintenant du côté de l'Allemagne, où évoluent deux internationaux béninois. Le premier, Sergio Soukou, est entré en jeu à la 62e minute lors de la défaite de son équipe, le SV Sandhausen, contre Paderborn 0-7. Score final 3-0 pour l'adversaire que je viens de nommer. En Regional Liga, le Bayern Munich B de Désiré Sergué Azangbo a étrié le SPVGG Hankoufen 5-2. L'attaquant béninois a inscrit le premier but du match à la 14e minute de jeu. Alors amis sportifs, finissons ce point par une information concernant les écureuils U20. Vous savez qu'ils sont qualifiés pour la CAN de leur catégorie d'âge en février 2023 en Égypte. Eh bien, l'encadrement technique a décidé de lancer un premier stage de préparation à leur intention du 17 au 27 octobre 2022, c'est-à-dire dès demain lundi. Mathias De Guénon a convoqué 26 joueurs. Il y a 3 gardiens. Je vais vous les citer. Aimé Noatine de la jeunesse sportive de Koubet, Salas Fossou d'Aïma, Richnel Akododia de Dynamo d'Abomey. On a 8 défenseurs, Rabiou Sankamao d'Aspac, Afid Agué Yaya de Dimension Foot, Cyril Aloya de Des Dragons, Kader Baka de Damissa, Ferdinand Soundé de Sitatonga, Ativi Bachirou d'Eternel, Majid Alidou Adam de Damisa, Rachid Moumouni d'Aïma. On a aussi 8 milieux de terrain, Fadel Kakanakou de Coton FC, Alassane Mabounou
de coton toujours, Zoul Kaneri, Tukuru de coton, Femi Monladé de Takounen, Amaru Abdoulaye de la jeunesse sportive de Ouida, Emmanuel Avossé Forum de la S-Police, René Akapo de Beke, Fawaz Tamoun des Talons, et en amenant les 7 attaquants. Bienvenue, Vinou de Loto, Didier Tchabi des Cavaliers, Ola Tungi Teslimi d'Aema, Hazak Rachidou de la Soemap, Samadou Bawa d'Eternel, Zakiou Abdoulaye de Loto et Djalilou Ibrahim de l'USS Kraké. Voilà les 26 Sécureille Junior convoqués pour le stade de préparation qui démarre demain lundi. Amis sportifs, merci de m'avoir suivi. Si c'est la première fois que vous venez sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Bye.